Eh bien, bonjour tout le monde, c'est moi. L'épisode 3, 2, vous l'aurez deviné, Call of Duty, MDR. C'est partout. Partout. C'est parti pour la suite de la campagne. Dans le dernier épisode, nous avions commencé un peu à crafter. Un peu notre base. On a joué 2h27. On est niveau 4. Ça va pour l'instant. Beaucoup d'habitants de Commonwealth craignent les remplacements de quelqu'un et de l'entourage par un synthétique à l'issue de leur insu. De l'institut à leur insu. Du fait de sa taille, le robot sentinelle génère une importante quantité de chaleur. Au combat, il lui arrive de passer en état de refroidissement. Quand cela arrive, son panneau arrière s'ouvre, expansant son réacteur à fusion. C'est le moment idéal pour frapper. Ah, ils ont pas fait de trou pour les fesses. MDR. Ah, ça fait du bien de retourner sur le jeu. Ah, ma belle armure. Vous vous souvenez d'elle? Putain, il m'a fait. Yannigo, petit salopio. Avoir un endroit où dormir, c'est bon pour le moral. Ce qu'il nous faut maintenant, fabriquer. C'est une source d'eau propre. Je peux tout fabriquer, j'ai l'impression. Non. Et je peux fabriquer quand même des trucs. Mais bien sûr, nous n'allons pas le faire parce que... Voilà. Bon, j'aimerais bien trouver où par contre on... Pas des forges. Fabrication. Atelier de chimie. Cuisinière. Poste d'armure assistée. Poste de cuisine. Établi d'armes. Établi d'armes. Pourquoi il y a deux établis? De toute façon, je peux pas le craft. Magasin. C'est chaud. Armure. Bon, on va juste voir si on peut faire des défenses parce qu'il faut bien défendre toutes ces bonnes personnes. Câblage, putain. Fait chier. Merde, non. Est-ce que je peux par la fenêtre? Oui! Comment il est? Je vous jure, c'est galère. Pour l'instant, on va pas faire de lit parce que ça coûterait cher. J'arrive où? On va pas s'embêter. Hein. Voilà. Quant au dernier, je peux pas de loin. Oh putain. Voilà. Oui. J'aimerais bien le rapprocher de moi. Tant pis, plein milieu du couloir. Bon. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Putain, mais qu'est-ce que j'ai eu aujourd'hui? Quête. Sanctuary. Parler à Stourge. On va faire ça. Après, on fera le premier. On va faire ça. La première étape. Et ensuite, on fera peut-être ça. Donc, Stourge. Il est où le petit Stourge? Stourge. Fais chier. Je me
sens déjà mieux maintenant qu'on a une source d'eau propre à disposition. Oui, il a un gun. J'espère que je vous en demande pas trop, mais si on veut s'installer ici, il va falloir mettre des cultures en place. Quel genre de culture ? Peu importe. Patates, fruits mutants, maïs, tout ce qui peut pousser ici. Attends, c'est déjà fait. Je veux juste échanger quelques trucs. Oui, il est que dalle. Mais attends. Finissez de la noix. Je veux passer en mode. Voilà. Ressources. Nourriture. Ah, ok, ça cuit. C'est pas assez. Et bien sûr, j'ai que dalle. Et il n'y a aucun moyen de récolter. Je veux juste faire un échange. Ah, fait. Et il n'y a pas de récoltage possible. Donc on s'en occupera plus tard. On va juste parler à Cotubles. Heureux de vous revoir, monsieur. J'espère que vous avez réussi à trouver de l'aide à Concorde. Comment ça s'est passé en mon absence? Oh, je continue à m'occuper du jardin. Il y a parfois des parasites à éliminer. Et vous, monsieur? Avez-vous découvert quoi que ce soit à Concorde? On peut dire ça. Je me suis fait de nouveaux amis. On n'en a jamais assez ces temps-ci. Je ne suis pas un Mr. Gutsy, j'en suis conscient. Mais je serais honoré d'arpenter le Commonwealth à vos côtés si vous avez besoin de moi. C'est ce que tu veux? Comme vous le souhaitez, monsieur. Non, pas maintenant. Très bien. Ah oui, pas maintenant. J'ai cru qu'il allait dire un non, tout simplement. J'aurais été... oublié de rire. Donc on va recycler... Désolé. Hein. On va recycler juste les maisons totalement niquées. Comme celle-là. Et les trucs par terre. Donc aussi les boîtes aux lettres. Toi, t'es une maison niquée? Ouais. Toi, tu sers plus à rien, tu sers plus à rien. Oh, une niche! Ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Genre, je peux le recycler ça? Plastique. Ouais, bon. Avançons. Ça, ça fait trop moche. Je recycle, hein. Il faut bien. Hein. Sinon, comment on ferait? Donc, ça, c'est déjà mieux. Ça passe. J'ai enlevé ce qui est totalement niqué à l'intérieur. Alors ça, 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 on peut le laisser au pire. Ça, ça. Il y a beaucoup de trucs. Hein. Ça. Ça, ça rapporte de l'aluminium. J'ai pas dit à table, j'ai dit ça. Ça. Ça, ça me sert à rien. Je sais, vous me dites cru, va à ton objectif. Et moi je réponds, je finis juste ça. L'envie est plus forte que moi. Donc ça. Ça on peut le laisser, c'est une lampe. Ouais. Là bon, on va essayer de le supprimer. Quoi ça? Fruits mutants. Ah, on va aller chercher ça. C'est super important. Preuve qu'on fait bien de passer. Et oh, et oh, et oh, oh, oh. Là. On va cuire ces fruits mutants. On va les recycler. On va recycler ça aussi. Je veux que ça soit beau quand même. Ici c'est ma ville. Mama Murphy. C'est ça? Bon, je vais repasser peut-être en vue première, hein. Ce sera peut-être plus simple. Hey. Quelque chose vous lie à cet endroit. Votre énergie. Mon énergie?
Qu'est-ce que vous voulez dire? Je croyais vous l'avoir déjà dit. J'ai vu le moment où vous avez quitté votre glacière. Je connais votre souffrance. Ce monde n'est pas le vôtre, et pourtant, vous êtes bel et bien là. La vision peut vous aider. Elle apporte toujours des réponses. Apportez-moi un peu de Jet, et je verrai ce qu'elle cherche à vous dire. Peut-être. Laissez-moi y réfléchir. Je ne vais nulle part, de toute façon. La vision sera là quand vous en aurez besoin. Vieux truc, hein. Par exemple, ça... La brique. C'est que c'est quoi? Faut bien faire le ménage. Hein. On va vérifier cette maison et après on va à l'objectif. Rip. Hein. Ah je peux pas. Je vais voir avec le chewing-gum si je pouvais le recycler. Table est niquée. Tabouret. Ça elle est bien encore. Y a pas de chien ici. Ah, j'ai cru qu'on pouvait recycler des cadavres. J'aurais été plié de rire. Ah, quoique les chiottes seulement. Le lavabo il peut sûrement encore marcher. Du moins, j'espère pour eux. Ici, il faudra réinstaller par contre un mur. Je l'ai déjà ouvert. Ouais. Bon, voyons mes objectifs. J'en ai à 23 mètres que je vais désactiver pour l'instant. Quête. Diverse. Voilà. J'ai deux quêtes. Ah! Désolé encore. Excusez-moi de tout mon cœur, mais il faut que je plante ces fruits sauvages. C'est pour le bien de ma communauté, de notre communauté après tout. Si je les trouve. Fruits mutants. Eh vas-y, j'en ai. Wesh, bah j'ai récupéré quoi? Oh. Ouah, épurateur d'eau. Ouais, bon, bah... Tant pis. Allez, partons à l'objectif. Donc carte. Donc on va se TP à Concorde et on suivra la route. Oh, on peut avoir un chirurgien esthétique. En gros, se refaire le visage. Genre, si je veux avoir un personnage moche, hein, Alexis? Eh ben, j'en ai rien. Un spectateur. Donc, mon objectif. Je crois qu'il est par là. Je vous rappelle que je vois assez mal le truc à quoi. Ah, assiette. Oh. Steph là. Par là. Au cas où je prends ça. Mais, ah non, le con, j'aurais dû prendre l'armure assistée. Oh. Non, je n'irai. Je sais pas si ça met soin. Détecter, gentil.
Parce que sinon j'aurais pris la batterie à fusion nucléaire de ça. Vous pouvez m'appeler le rapien, hein, mais j'en ai rien à foutre. On est dans un monde post-apocalyptique, faut bien survivre. Respire bien. Il est tellement beau ce jeu. 80 mètres. J'y serai bientôt. Une fois que j'y serai, je les nique tous. Par contre, je me sens con, j'aurais dû prendre l'armure. Ah. Mais j'ai pas envie de faire demi-tour. Pardon. Ali ! Qu'est-ce que vous voulez ? On a assez d'ennuis comme ça. Du calme. Je fais partie des miliciens. Je viens vous aider. Vous êtes des miliciens ? Je pensais pas que vous existiez encore. On a bien dit à un marchand ambulant de faire passer le message, mais je ne pensais pas que ça servirait. Les gens ne font plus confiance aux miliciens depuis Quincy. Ça leur a donné une mauvaise image. Vous avez besoin de mon aide pour quelque chose ? Ouf ! Et comment ? Ça fait plaisir de pouvoir compter sur vous. Une bande de pillards nous harcèle depuis des semaines. Ils nous prennent nos récoltes, notre matériel, et ils menacent de nous tuer si on refuse. On sait d'où ils viennent, mais ils sont trop nombreux pour qu'on puisse leur tenir tête. Vous vous rallierez aux miliciens quand j'aurai réglé leur compte à ces pillards ? On y réfléchira. Les gens se sont habitués à ne pas pouvoir compter sur vous. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Je comprends tout à fait ton raisonnement. Donc file-moi ta bouffe. Le mec, il vient les piller. Par contre, j'aimerais bien... je peux, wesh. Pommade. Je vais en prendre plein hein, pour... Ça devrait suffire. Le reste, je leur laisse, faut bien qu'ils mangent, même s'ils sont que deux. J'ai cru qu'il m'avait copié le visage. J'allais le niquer. Ça, ça pue. Je sens qu'il y a du stuff. J'ai entendu un bruit. Police. Ah, j'avais raison. Je sais pas viser. Vas-y, Kanigou. Bon, les pillards. Ça me dit pas où ils sont. Oh putain. Oh merde, j'ai changé. J'étais gelé sur les cartes. Ils sont putain de loin. Tuer les pillards. Bon, ce qu'on va faire, on va se taper à Concorde pour rejoindre le point. Quoique non, on va d'abord se taper à Sanctuary. Important. Et oui, l'armure T45. Si l'on en croit les théoriciens du complot, la Terre aurait reçu plusieurs visites d'une espèce extraterrestre, les Ethans. D'accord. Merci. On sent que vous me respectez. Voilà. Notre magnifique armure assistée. La carte. Apprenez la petite chimie pour prolonger les effets des drogues ingérées. N'oubliez pas les enfants, la drogue c'est bien et mal. Dans les jeux c'est bien, dans la vraie vie c'est mal. Regardez, normal. Tout blanc. C'est par où déjà? Ah ouais, par, comme là je vois bien le truc. Vous voyez, j'ai pas le truc noir que je vous dis depuis longtemps.
En plein milieu sur le truc quoi. Donc en gros, je vois très bien. Il est où mon truc? Voilà, mon scazer. Ça fait mal. Dommage, je croyais que je pouvais fouiller. C'est sûrement ça. Là, vous voyez le truc noir que je vous parle, pour vous, vous le voyez pas, mais moi je le vois. Et il est juste au-dessus, quoi. Genre à 1 ou 2 cm du truc. Ça me permet d'y voir. Regardez, je suis beau. Hein. Toute belle truc. Tout moche. Regarde. Bon. Progressons. On va aller fouiller sans droit. On avait un marché, Tweedy. Envoie la marchandise, déconne pas. Je donnerai rien à des empoisonneurs de votre espèce. Vous savez ce que cette saloperie a fait à mon garçon? C'est lui qui l'a acheté, Tweedy. C'est pas notre faute s'il est devenu un marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Canigou. Je sais pas ce que c'est. Ah, recharge. Je m'en fous. Moi je loot hein. Excusez-moi. J'ai hâte de voir les corbeaux bouffer le cadavre de ce fumier. Tenez, c'est pour vous. Et si vous voulez acheter quelque chose, le magasin est ouvert. Oh, 100 capsules. Né pour survivre. Atteignez le niveau 5. Oui, ça va prendre un moment pour sevrer Patrick. Mais on y arrivera. On s'en sort toujours. Bien, parlons affaires. Il vous faut quelque chose pour la route? Voyons ce que vous avez. Vous en aurez pour votre argent. J'ai hâte de voir. Pistolet et 10 mm. Appareil photo, cristal, engrenage. Ah, voilà pourquoi ils le vendent. Assiette blanche. Ah, il y a de l'aluminium dedans. Ah, je vais le prendre. Okay. Câblage. Ah, bon. Il y a trop de trucs. Attends, casque de pilote jaune. Bon. Grenade à trop cher. C'est mort. Matériaux nucléaires. Je vais prendre parce que c'est quand même du nucléaire, quoi. C'est pas de la merde. Ah, ça a l'air bien. Ah, ça coûte cher. Très cher. Ah non, ça fait que 10 de dégâts. Je vais prendre. Et je suis en train de me ruiner en fait. Câblage. Réveil. Aluminium. Téléphone. Câblage. Vengeance du général Ketao. Oh. Je l'achèterai peut-être plus tard. Ah, et peindre un cheveu. Voilà. Comment se ruiner. Bon, maintenant, à moi de te ruiner. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté. Et de 1. Et de 2. Et ça, j'essaierai de le décraft. Expliquez-moi, s'il vous plaît, dans les coms... Comment on décrafte les objets? À moins que j'ai pas vu, ce qui est fort possible aussi. Je l'équiperai après ça. Je peux en vendre un. Cartouche. Casserole. Cuivre. Chair de rat de cafard. Clé mixte. Cocktail molotov. Grand arrêt.
Ah non, y a... Bon, tant pis. Je le retrouverai. Fruit mutant sauvage, je le garde. Je m'en vendra. Ça, c'est mort, j'y vends même pas. Bon, je me suis fait beaucoup moins d'argent, mais j'ai réussi à adoucir. Bon, je vais juste revoir dans mon inventaire. Je t'ai examiné, voir composant peut-être. Ah, j'ai deux niveaux. C'est important. On va voir. Par les poches. Super important ça. J'ai choisi. Vous avez vu, c'est long, hein. Je t'ai examiné peut-être. Ah, je peux pas. Bon, je le dis, je sais pas faire. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. C'est par où? Par là. Déjà rechargé. Courons. Après tout, je suis en armure assistée. Donc bon, je suis un mini tank. Mais ce truc, je suis sûr que vous en mettez deux ou trois face à un écorcheur. L'écorcheur, il a peu de chances de survie, quoi. Bon, voilà leur base. C'est-à-dire quoi ça? Quoi? No. Please, 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 please. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller découvrir l'endroit. Ouais, je vais aller découvrir l'endroit à pied. Ce que je ferai, je retourne à l'armure, je me TP à la base, je range l'armure, je reviens à pied. Okay, allons découvrir le truc. Voilà. Ça c'est fait. Ah. Capsule. Je pose en militaire. Mon armure, je l'ai laissé où? Là, voilà. Et ouais, j'ai tout prévu. Bon, je pense qu'on va seulement aider cette colonie, hein. Et après, je couperai l'épisode. Parce que dans à peu près 20 minutes, ça fera une heure, quoi, que je l'ai lancé. Je suis où?
Et hop. On va voir si je peux le réparer peut-être. Ça changera déjà beaucoup d'avoir des aliments. Aujourd'hui, ma vieille carcasse. Ça a bien du mal à se tenir debout. Au moins, elle est réparée. Et là, je ne sais pas comment on répare cette armure. Donc, retournons-y maintenant. Bon, Lexington, c'est à côté du truc. Ah, oh, c'est moche. Ah. Oh. Ah. Oh. C'est horrible. Les hideux Radserf Benifal est une créature ridicule qui s'enfuit la plupart du temps au premier signe de contact. L'éventreur est une petite tronçonneuse portative à vocation militaire qui est conçue son heure de l'heure pour les conflits armés qui ont précédé la Grande Guerre. Bon, on est où? Ah, ça me dérange, j'ai à nouveau le truc en plein milieu. Mais bon, pas grave. Donc on venait de découvrir cette magnifique ville. On va aller vite fait au Red Rocket. Voir ce qu'il y a dedans. Capsule. Ça peut peut-être être utile ça. C'est quoi Kanigo, t'as trouvé quoi? Cet argent d'avant-guerre? C'est tout? Ça, méchant chien. Le mec. Établi d'armes. Y'a pas genre un établi normal que je puisse construire. Le mec il veut tout le temps construire. Je devais aller par où moi? Par là. Faut que je prenne par la ville. Oh, oh putain des goules. Ah ah! Je suis nul. Je vais me prendre un petit steam pack. Hein. Je vais looter hein, la base. Comment j'ai pu louper? Bon, avançons. Bon, on sait que la zone est dangereuse. Voilà. Je pense que j'ai été soit détecté. Bien,
Bon, voyons ce qu'ils ont. Une tourelle. Il y a. J'avais pas du tout calculé, ils ont fait péter le véhicule, j'ai vu l'icône du véhicule, j'ai rien eu le temps de faire. J'ai le seum. Voltec. Le mec genre à 4 doigts. T'as vu. 4 doigts. T'as vu. Bon, allez, le chargement. Moi, j'aimerais bien reprendre. Bon, première mort. Oh putain, on est là. Non, non, non. Je vais devoir taper tout. Après la Grande Guerre, les capsules de Coca-Cola sont devenues la monnaie la plus couramment utilisée dans l'ensemble des États-Unis. Imaginez, il y a une guerre nucléaire, le Coca-Cola, ça devient la monnaie, quoi. Genre, une bouteille de Coca, je te donne ta vie, quoi. Le robot Lasertron de Robocop a été vendu à l'armée américaine comme unité militaire. Et j'ai pas eu le temps de lire la suite. Et où nous trouvons-nous? Je vais essayer de pas rentrer dans la ville, cette fois. Mais de contourner, genre, sur le côté, je sais pas. Ça m'évitera de me taper le PVP des ghouls. Plus pour ce qu'on a trouvé, hein. L'argent d'avant-guerre, des conneries quoi. Vous avez vu, on a tout contourné. Bon, par contre, voilà. On va prendre le canon double. Merde. Il y a toujours la tourelle. Les deux me tirent. Je vais le fumer lui. Toi. Oh, j'ai oublié de m'équiper mon arme. C'est bon. Capsule. Vous savez ce qu'il nous reste à faire. Ah. Rentre. On va faire une sauvegarde. Direct. Putain, je suis dégoûté. Je sais même pas où trouver des piles à fusion. Les gens. Je vais vous demander un service. Trouvez-moi une page wiki du jeu complète. En français, s'il vous plaît. L'anglais, c'est pas ma matière. Genre, vous voyez, vous me trouvez une petite page avec comment recharger les armures, comment blablabla. Vous voyez, un truc simple quoi. Ah, ah c'est pire. Oh putain. Recyclater.
Il y en a un. Oh, je l'ai rect. Ah, je bouge. On s'en prend plein la gueule. Et lui, Kanigou, bah... Donc quoi, on loot. Ça, au pire, je pourrais le démonter. On a loot. Recharge. Au revoir après. Sors de là. Ce sera rapide. Promis. Hello. Ah, il est plus puissant que les autres. Bien. Mitraillette, j'ai bien fait de pas l'acheter. Oh merde, 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 merde. Regardez mon pistolet. Oh, c'est quoi ce truc? Oh purée, les batteries de votre manette sont faibles. Bon, c'est pas grave, dans 15 minutes l'épisode s'arrête. C'est faisable. Donc ici il y a une mine. Pour l'instant c'est assez simple, je vais prendre la... Je vais prendre leur arme. Oh. Bouge. Ça après. Pour l'instant, j'ai une vengeance à accomplir. Ah. Oh.
Tiens, Nico. Quoi? Quoi? D'où? 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 J'ai pas envie de gâcher une grenade pour ça, ça me fait chier. Je vais te trouver. Je sais pas comment je l'ai eu, lui, c'était un peu coup de chance. Il a décalé pile au moment où. J'avais tout calculé. Là, il y a une capsule. 5. J'y crois pas. Il y a quelqu'un. Non, il y a personne. Mais qu'est-ce que... Bonjour. Ah, recule, Canigou. Canigou, fais pas chier. Le loot. Bouge. Pas un Canigou. Bon, j'ai pas une autre arme. Attends, ma vie. On va utiliser ça pour l'instant. Ah, quoique il y a deux mecs derrière. Ça, je m'en rappelle. Ah, putain. Il s'amuse bien avec les grenades, hein. Oh, ma vie. Ah, ma vie. On a dû ralentir le temps en résistance. Plus du Medix. Ah, j'ai peur. On peut pas laisser cette tourelle. Je prends. Là-dedans, il y a sûrement des trucs. Oh, mais bonjour! Fallait vous signaler plus tôt, monsieur! Où sont mes manières de vous faire attendre? Oh là là. Que suis-je mal poli? Attends, je vais m'équiper de ma nouvelle arme. Mitraillette. Ah, elle est belle, hein. Oh là là, ça c'était la violence. Très bonne arme, hein, j'ai l'impression. Elle utilise quoi? 45. C'est fermé. Rien n'est difficile pour moi.
Tout prendre. Bien tout prendre vous permettra de bien survivre. C'est un conseil important. C'est quoi ce truc? Je porte trop de choses. Un truc à virer. Combien c'est de poids ça? Combien ça se vend? On va se débarrasser. Ça par contre je vais le garder. Et deux pistolets. Oh, j'ai lâché l'armurerie là. Non, mon objectif est pas par là, je viens de me rendre compte. Plus, moins un rad. Ah, chouette. Ah, ma vie, par contre. Je vais me prendre peut-être un petit steam pack. Plus haut. Non, c'est pas par là. J'avais vu un escalier tout à l'heure. Je sais pas où. Ah, y'a quoi là? Oui, il y a ta mère. Et là, on entend un pa pa pa. C'était quoi ça? On l'a tous vu. On va pouvoir planquer. Merde. Je l'ai très bien vu. Ma grenade! RB peut-être? Ah, je suis en plein manque. Ah, ma vie! Ma vie! Vous l'avez vu. Elle, je lui ai mis cher. Je dois le dire. J'ai cru mourir. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. T'inquiète pas, Canigou, je t'ai vu. Je viens à toi juste après avoir looté. Parce que le loot, c'est important. T'es où, Canigou? Tu vois que t'as pas besoin de moi, crevard. Va. J'ai trop cru qu'il y avait des réacteurs à fusion nucléaire, ce que j'ai besoin. Ah. Bon, cassons-nous. Ah putain, ma vie elle est trop basse. Pile. Je crois que c'était par là. Ok, non, c'était pas par là. Fort possible, peut-être par là. No. Et où? Par là. Ça pue, je vous jure.
Genre la puanteur, vous voyez, c'est moins pire que cet endroit, quoi. Tellement ça pue. Je vais te trouver. Vous l'avez vu en haut? D'où tu tapes mon chien? Qui t'a déjà permis de taper mon chien? Oh, une grenade. Ah, j'ai plus d'autres balles. Alors je fasse un petit décal. Bon, maintenant il faut que je change d'arme. Vous connaissez sûrement le mousquet. Quoi, il y en a deux. Bouge, canigou, putain. Putain, et en plus j'ai trop d'armes. Bon, je vais virer des armes de fortune. Jeter, tiens, aime ça. Genre peut-être un tir. Oula ma vie. Moi je bois ton sang. T'as cru que j'allais me barrer sans looter? Par contre, c'est où? Pour monter. C'est... Non, sérieusement, c'est où? Ah, il y a peut-être une pile à fission là, non? Non? D'accord. Bon, maintenant, occupons-nous de notre problème de montage. Je suis doué, hein. Bon, pour monter. Parce que moi, ils sont sympas et tout, mais moi, j'aimerais bien avoir mon loot, quoi. Sérieux. Je le mérite. Moi, ouais, au départ, je dirais que c'est pas là. Mais après, je vois pas tenter le saut. Ouais, bon, là, si je... Si je me fail comme ça, en même temps, c'est sûr que là... Pfff. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Vous avez tous vu ce magnifique saut.
rares personnes avaient réussi à faire ce genre de choses. Ah, je suis trop long. Grognac. Ouais. Ouais. Bon, maintenant équipons-nous mieux, hein. Il croyait que je l'avais pas vu. Quoi ? En embuscade à plein nez. Repliez-vous, repliez-vous ! Bah, là, avec moi, je me tire. J'ai assez combattu pour ça. Me tire, ne me demande pas. J'aurais pas dû. Ouvre-toi! Les radiations ont transformé les scorpions empereurs en dangereux rat scorpion, l'un des prédateurs les plus féroces des terres désolées. Attention, ses pinces et son dard empoisonné. À son dard empoisonné. Excusez-moi. Tu veux m'embrasser? Je crois que ça fait plus d'une heure. Donc on va rendre la quête. Et on se laissera sur ça. Déjà que mes épisodes, je préférais les faire durer une demi-heure, mais bon. C'est Fallout après tout. Il y a peut-être du loot ici. Putain, Kanigou, il me fait chier. Je vous jure, il me fait chier. Hello. Motherfucker. Je crois qu'ils m'ont vu. Ah, elle craint pas les balles. Désolé les gens. Problème de batterie, je vous l'avais dit tout à l'heure. Ils ne craignent pas les balles. On n'aime pas les cheaters. Oh putain, ils craignent pas les balles. D'où on me tire dessus?
est tombé en mode posaï. Il est mort. Grenade, parfait. Oula, putain, ça grouille d'ennemis. Tu t'agresses mon chien, toi. Un bâtard. Moi, tu me connais pas, hein. Je suis connu. Tiens. Par contre, je vois pas d'où. Merde, Canigo, je te réparerai après. Je vois pas où se trouve le tireur. Je vais me casser de cette zone. On a looté après tout, c'est bon. Des méchants ça? Pire. Méchant. Les gentils là-dedans, je suppose. Oh oui. De l'argent. Ce qui m'étonne, c'est comment on peut y... C'est qui eux? Mais t'es qui toi? Ok. Le mec il veut la mort. Il voulait la mort. En m'agressant. En plus le truc c'est que je viens les aider quoi. T'as pas le droit, je suis à travers un grillage. Oh, ma vie. Tiens. Bien le bonjour. Bonjour, je viens loot. Merde. Cartouche, ça se vend bien. Et je propose même qu'avant la fin de l'épisode, on aille vite fait à la maison déposer dans notre magnifique... vous voyez ? Endroit... enfin, notre lieu de stockage. Les... Vous voyez? Les trucs qu'on a récup. Donc, on est fiers de nous. J'ai encore un petit peu de mal. Donc, on va vite fait aller les voir. Il y a ennemis à proximité. Bah, ils sont où? Là-bas! Non, mais je vous veux aucun mal, moi, madame. Ah, j'ai... À vous d'attaquer un homme qui ne vous veut aucun mal. En plus, tu fais des bruits chelous, toi. Bon. What the... Tir de l'année. Et bug aussi. De l'année. Hot mat. Oh non, encore un. Il est où? Ah. Oh. Et maintenant, je peux rentrer chez moi? Ou est-ce impossible?
Déjà stepper là-bas. Oui, allez. Oh oui, après avoir découvert un lieu, vous pourrez y retourner immédiatement à l'aide de votre carte. Pour ce faire, vous devez généralement vous trouver à l'extérieur. Mais il existe des exceptions. Niveau 5, magnifique Pig Boy. Mais je me demande si c'est pas lourd à transporter en fait ce truc. Parce que quand même, c'est des trucs en métal et tout. C'est pas de la merde quoi, vous me comprenez. On va récupérer à nouveau des pommes potes. Pommes potes. Hey. Allez voir ça. Hey. Relève-toi. Hey. Vous avez trouvé les pillards ? Ouais, je leur ai réglé leur compte. Sans rire. Eh ben, ça faisait longtemps que j'avais eu une aussi bonne nouvelle. On a discuté entre nous, et on a décidé que si vous étiez capable de nous aider, on se rallierait de nouveau aux miliciens. Si on veut que les choses s'arrangent, il faut qu'on commence par s'entraider. Tout ça pour dire qu'on est d'accord. Comptez sur nous si vous avez besoin d'aide, et encore merci. Bon, elle a dit un truc là, je crois, qui m'intéresse. Donner, parler à Preston Garvey, on s'en occupera après, fournisseur de l'anime, on s'en occupera plus tard. Voilà. Non. Moi j'aimerais bien les faire rallier à ma cause. Putain, attends, c'est trop lourd. Tenue. Non. Ça me fait mal au cœur. Et je dois me débarrasser. En fait, c'est surtout dans mon bric-à-brac. C'est bon, on est pile. J'ai juste besoin d'échanger de l'équipement. Ah ? Ça a l'air de bien pousser. Je suis une grosse pute. Et je dis, ça a l'air de bien pousser. Merci. Et je récupère tout. On va enfin avoir de quoi faire des réserves après nos récoltes. De rien. Par contre, je vous ai pris cette récolte, hein. Ce sera la dernière. Après, les gens, ils vous feront plus chier. Vous inquiétez pas. Hein. Oh, c'est dard. Le toit, il est pourri. Genre, il y a des moustiques. C'est foutu. Bon, rentrons à la base. Sanctuary. 34% de joie. Grâce à l'attitude chef locale, vous pourrez allier deux ateliers à l'aide d'une voie de ravitaillement. Ils partageront alors leur nourriture, leur eau, leur réserve, leurs ressources nécessaires aux constructions. Grâce à l'attitude chef locale. Important. Donc, j'essaierai de la débloquer le plus rapidement possible. Parce que je tiens beaucoup dans ce let's play à faire en sorte que je sois déjà bullshit et à faire aussi ça. Preston Garvey, il est par là-bas. La pierre. 42 mètres. Sûrement lui là-bas. Ah, c'est de l'autre putain de rad. Bonne nouvelle. La colonie que je viens d'aider a décidé de se rallier aux miliciens. Alors ça fait plaisir. Je savais que j'avais bien fait de vous confier cette mission. Au fait, vous devriez prendre un de ces pistolets lance-fusée. Il vous permettra de demander un coup de main aux miliciens à proximité. Ah, oh, ça c'est stylé, je prends. Utile dans un premier temps. Mais plus vous rallierez de colonies, plus vous pourrez obtenir d'aide. Au fait, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Vas-y. Vous savez déjà que je suis l'un des derniers miliciens. Mais je ne vous ai jamais vraiment raconté ce qui m'a fait. Niveau ! Je vous écoute. Vous avez entendu parler du massacre de Quincy ? Non. Je croyais que tout le monde dans le Commonwealth connaissait cette histoire. C'est là que les miliciens se sont trahis. Et ont trahi ceux qu'ils étaient censés protéger. J'étais dans le groupe du colonel Hollis. Une bande de mercenaires, les artilleurs, avaient attaqué Quincy. Les habitants avaient appelé les miliciens à la rescousse. On a été les seuls à venir. Les autres groupes, ils ont tourné le dos à leurs compagnons et aux gens de Quincy. On n'a pas été nombreux à s'en sortir. Le colonel Hollis y est resté.
Alors j'ai dû prendre les survivants en charge. On n'a jamais trouvé d'endroit sûr où s'établir. On a enchaîné les désastres. Vous avez bien vu comment ça a fini à Concorde. Tant que vous ne baisserez pas les bras, les miliciens auront de l'espoir. Je ne vais pas baisser les bras, mais je ne peux pas protéger le Commonwealth tout seul. J'ai déjà eu du mal à protéger ces gens. C'est pour ça que je m'adresse à vous. Je ne peux pas rebâtir les miliciens. Mais vous le pouvez peut-être. Venant de vous, ça me touche beaucoup, Garvey. Merci. Ça veut dire que vous acceptez ? D'accord. J'accepte. Parfait. Bienvenue parmi nous. Je sens que c'est un nouveau départ pour les miliciens et pour le Commonwealth. Ralliez les miliciens. Ne vous en faites pas. Je serai là pour vous appuyer, général. Ouais ! C'est une sacrée promotion que vous m'accordez. Le leader des miliciens a toujours porté le grade de général. Notre dernier chef était le général Baker. À sa mort, en 82, tout le monde s'est disputé pour choisir son successeur. L'avantage d'être le dernier milicien, c'est qu'il n'y a plus personne pour m'empêcher de vous nommer général. À vous de faire de ce mot bien plus qu'un simple titre. Promis. Une mission un peu différente à vous proposer. Oui ? Oui ? Oui ? Nos éclaireurs ont découvert un emplacement prometteur pour une nouvelle colonie. Le problème, c'est que des bêtes sauvages ont investi les lieux. Quand vous aurez fait le ménage, posez une balise radio pour prévenir les gens du coin. On ne tardera pas à voir une ferme se développer pour exploiter les terres. C'est comme ça qu'on regagnera le Commonwealth, petit à petit. Très bien, je m'en occuperai dans le prochain épisode. Fais chier, je suis hyper lourd. Je me sens gros. Ah, j'ai rien à virer. Bric-à-brac, à mon avis. Genre globe antique, ça, par exemple. Putain de gros. Voilà, regardez. J'ai posé ça, je peux courir à fond. Là-bas, il y avait de la radiation, donc ne pas y aller. Hein. Là, j'ai pris beaucoup de rad pour parler à l'autre. Mais je suis général. Toi, t'as l'air défoncé. Juste avec un pistolet de fortune et une seule balle. Vous voulez dire que vous avez tué un écorcheur avec une seule balle ? Et je dois vous croire. C'est pourtant vrai. Je n'en ai peut-être pas l'air, mais à l'époque, j'étais un as de la gâchette. Ça, ou vous avez une sacrée imagination. Bon, ma maison, je crois que c'est celle-là. Ouais. Et mon lieu de stockage. Donc X transfert. Là c'est les trucs. Ça je vais y mettre là-bas. Non. Pas grenier avec le barbare, ouais. Matériaux nucléaires, super. Ah, fait chier, j'ai pris un truc. Je peux me permettre, hein, quand même j'en ai 3 sur moi, ça par exemple aussi. J'essaie de me dépêcher parce que j'aimerais changer l'épisode parce que sinon ça va être hyper long à mettre sur YouTube pour après-demain pour vous.
transfert. Magnifique. J'ai l'air d'avoir envie de parler. Et tu te fous de ma gueule ici, c'est chez moi. En plus, t'es sur mon lit, connasse. C'était chez moi ici. On va dire, il y a même la boîte de Cotworth. Bon. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce vert, à vous abonner et à partager la vidéo. Sur ce...